Le futur, c'est maintenant. Et plus précisément ce vendredi 12 juillet, jour de sortie de la nouvelle bête de la firme américaine, l'Apple Vision Pro, enfin disponible dans tous nos Apple Store. Soyons clairs, c'est incontestablement le plus gros lancement d'Apple depuis son premier iPhone en 2007. Alors certes, l'Apple Vision Pro était déjà disponible aux États-Unis depuis environ un an, mais cette fois, il s'expatrie sur tous les continents. J'ai eu la chance de pouvoir le tester pendant une dizaine de jours avant sa mise en vente sur le marché français, et je vous raconte comment ça marche. Alors déjà, de quoi s'agit-il vraiment? Pour résumer, ce casque futuriste qui peut faire penser à un masque de ski permet à son propriétaire de faire à peu près tout ce qu'il pouvait faire avant avec l'ensemble de son écosystème Apple, l'iPhone, l'iPad, le MacBook et tout le reste, afin de le contrôler au doigt, à l'œil, mais aussi à la voix. Un univers totalement nouveau, incomparable avec ce que l'informatique pouvait offrir jusque-là, s'ouvre désormais aux utilisateurs. On peut ainsi surfer sur Internet, communiquer par SMS, par mail, via FaceTime, jouer à des jeux vidéo et tant d'autres choses, à la différence près que l'expérience proposée prend désormais une dimension délirante qui révolutionne complètement tous les usages cités. D'abord, précisons que quand on enfile, l'Apple Vision Pro ne nous coupe pas du monde, contrairement à un casque de réalité virtuelle. Bien au contraire, on voit l'espace tel qu'il nous entoure, sauf que celui-ci s'enrichit aussitôt de nos applis qui apparaissent devant nous comme incrustées au milieu de la pièce. Une sorte de réalité mixte en somme, et en quelques secondes, on s'étonne de la facilité avec laquelle on peut contrôler l'ensemble de l'interface avec ses mains, sa voix et même ses yeux. Soulignons d'ailleurs que le contrôle de la rétine est une pure innovation Apple qui n'existait nulle part ailleurs et qui donne au passage tout de suite un sacré coup de vieux au casque MetaQuest 3, anciennement baptisé Oculus VR, qui est le principal concurrent de l'Apple Vision Pro sur ce marché. D'un coup d'œil, d'un geste ou d'un simple mot, on ouvre ainsi des fenêtres flottantes tout autour de soi que l'on peut réduire ou agrandir et faire défiler facilement. Vous savez, un peu à la manière de Tom Cruise dans Minority Report, ce film sorti en 2002 dans lequel la star pouvait faire apparaître plusieurs écrans autour de lui et les contrôler totalement avec les mains et la voix. Vous souhaitez sélectionner une icône, comme Safari, pour commencer les recherches? Fixez-la, puis pincez le pouce et l'index pour ouvrir l'application et démarrer la navigation. Vous souhaitez ensuite déplacer cet écran sur un côté de la pièce pour en ouvrir un autre avec l'un de vos réseaux sociaux. Pincez-le de la même façon en son centre, toujours avec le pouce et l'index, et déposez-le à l'endroit qui vous convient. Enfin, vous souhaitez agrandir ou réduire l'une des fenêtres ouvertes dans la pièce. Il vous suffit pour cela de fixer l'angle bas, droit ou gauche, et de le pincer, encore une fois, afin de l'étirer comme bon vous semble. Tout simplement, sidérant. D'autant plus qu'après quelques minutes d'utilisation, on se demande clairement comment les fabricants sont parvenus à rendre l'ensemble aussi fluide sans pratiquement aucune latence. Ces espèces de lenteurs désagréables que le cerveau peut percevoir, même inconsciemment, et qui peuvent rapidement donner la nausée. Alors les experts de la marque avec qui on a pu discuter expliquent qu'une puce en silicium de dernière génération a été intégrée pour justement permettre le traitement des 12 caméras et capteurs dont est équipé l'Apple Vision Pro en moins de 12 millisecondes. Une vitesse d'exécution qui s'avère être 8 fois plus rapide qu'un clin d'œil. Quant à la qualité du contenu, il est clairement à la hauteur des attentes. Voir un film ou une série chez soi, par exemple, n'avait encore jamais atteint ce degré d'immersion. Quel que soit le programme choisi, on peut en effet dimensionner notre écran dans une taille cinéma et même choisir sa place dans la salle. Quant à la définition, elle n'a rien à envier aux véritables salles obscures et serait même parfois meilleure. Apple explique en ce sens être parvenu à intégrer une technologie de micro OLED de 23 millions de pixels qui équivaut à projeter un écran 4K devant chaque œil du porteur de l'Apple Vision Pro. Alors sincèrement, quand on pose son casque et qu'on rallume son téléviseur, on a carrément l'impression d'être revenu au temps du tube cathodique. Maintenant, je voudrais évoquer les fonctions de l'Apple Vision Pro qui donnent d'emblée une véritable claque à son utilisateur. Des modes encore plus immersifs comme les films 3D spécifiquement adaptés et disponibles sur Apple TV+, la plateforme dédiée, mais surtout, mention spéciale aux vidéos immersives qui sont probablement ce que l'Apple Vision Pro renferme de plus bluffant. Que l'on regarde en haut, en bas ou tout autour de soi, on a tout bonnement l'impression de faire partie intégrante du spectacle. Seulement quelques séries documentaires sont pour l'instant disponibles sur la plateforme, mais elles suffisent à convaincre du potentiel gigantesque de cette technologie. D'autant qu'il se murmure qu'en perspective d'achat de droits sportifs, celle-ci pourrait très prochainement révolutionner ce type de retransmission. Et, sensation tout aussi folle, devant les vidéos dites spatiales que l'on peut réaliser soi-même, si l'on possède à minima un iPhone 15 Pro, afin de les visionner ensuite dans l'Apple Vision Pro. Il s'agit d'une autre forme de 3D qui donne une sensation de profondeur, semblant vraiment reproduire à l'instant vécu presque à l'identique, ce qui confère
finalement aux vidéos un aspect particulièrement bouleversant, surtout si on se projette quelques années après leur captation. Au cours de mon test, j'ai aussi pu découvrir la nouvelle expérience FaceTime. Et là, on se pincerait pour y croire. Après avoir créé en quelques minutes son avatar, ce qu'Apple a appelé un persona, une réplique édifiante de notre visage et du haut de notre buste, on peut démarrer une conversation spatiale digne d'un film de science-fiction. À condition bien sûr que nos interlocuteurs soient également équipés, ils apparaissent aussitôt devant nous, autour de la table, presque comme s'ils étaient présents. Il est même possible d'y partager n'importe quel contenu en 3D en un instant avec eux, ce qui est particulièrement pratique pour une réunion professionnelle, ou même de visionner un film côte à côte, comme si on était ensemble, assis dans une salle de cinéma. La séquence à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir participer était tout simplement renversante. Côté son, le casque est en outre équipé d'une technologie spatiale encore, qu'Apple présente comme la plus évoluée jamais conçue par la marque. Je l'ai testé en situation prolongée, devant des fictions, bien sûr, mais aussi en écoutant de la musique et sur plusieurs modes de communication. Verdict, le son qui s'échappe des branches de l'appareil, alors que celle-ci ne touche pourtant même pas nos oreilles, est non seulement d'excellente facture, mais il est particulièrement enveloppant, un peu à l'image de celui qu'on trouve dans une salle de cinéma. Après, pour plus de confort, surtout en cas de vacarme extérieur, il est aussi possible d'y connecter ses propres écouteurs, comme des AirPods, qui permettent une réduction active et quasi totale du bruit environnant. Pour travailler, l'Apple Vision Pro promet là aussi une expérience hors du temps, avec soit un clavier physique connecté, ou à l'aide d'un clavier virtuel tactile en 3D qui apparaît presque comme par magie devant nous quand on le souhaite. Alors là aussi, il est possible d'ouvrir plusieurs fenêtres taille XXL autour de nous. Ses mails d'un côté, ses fichiers de l'autre, une page de traitement de texte au milieu. Le champ des possibles semble véritablement infini. D'autant plus que l'on peut même créer une réplique du bureau de son Mac au milieu de la pièce où l'on se trouve et de le retrouver sur un écran virtuel allant jusqu'à 105 pouces. Il suffit pour cela de fixer du regard son MacBook pour que tout s'enclenche et que la magie opère. Niveau application, l'essentiel est là. Toutes celles bien connues des utilisateurs d'iPhone, iPad, MacBook sont présentes, auxquelles s'ajoutent, entre autres, des versions améliorées spécifiquement pour l'Apple Vision Pro. On peut citer celles de certaines plateformes comme MyCanal, Apple TV+, bien sûr, Arte TV, Paramount+, et beaucoup d'autres qui promettent clairement d'être addictives. Par ailleurs, j'ai pu tester en exclusivité certaines applis totalement repensées pour l'occasion, comme celle du site seloger.com. Grâce à elle, il devient désormais possible de visiter des appartements et des maisons à 360 degrés, comme si nous avions fait le déplacement chez les propriétaires. Ultra réaliste. S'il fallait toutefois trouver un défaut à l'Apple Vision Pro, on pourrait peut-être évoquer son poids, environ 600 grammes, car selon la position dans laquelle on se trouve, l'unité peut en effet se faire sentir au bout de quelques heures d'utilisation, parfois un peu moins pour certains. D'autant que la profusion de choix, d'options, de possibilités qui s'offrent à l'utilisateur peut parfois créer une certaine confusion. Interdit aux moins de 13 ans, on imagine également assez difficilement une personne relativement âgé, peu à l'aise sur le plan informatique, en train d'utiliser l'Apple Vision Pro. Il faut d'ailleurs une petite semaine d'utilisation avant d'être véritablement à l'aise avec toutes les options et toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Quant à son prix, qui démarre à partir de 3 999 €, s'il peut apparaître délirant de prime abord, il l'est beaucoup moins après que l'on ait exploré la diversité du monde extraordinaire auquel on a accès. D'autant que ce type d'innovation a un prix. Rappelez-vous, en ce sens, le prix des premiers magnétoscopes VHS dans les années 80, ou encore des premiers téléviseurs à écran plat au début des années 2000. Ce que propose l'Apple Vision Pro aujourd'hui est probablement ce qui se rapproche le plus du futur technologique tel qu'on pouvait le rêver il y a plusieurs décennies. Conclusion, en lançant son ordinateur spatial, Apple compte clairement marquer l'histoire. Reste à savoir désormais ce que l'histoire en retiendra.